Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer pourquoi et comment activer les conteneurs Flexbox sur Elementor. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir rapidement qu'est-ce que c'est que les conteneurs Flexbox et pourquoi vous avez tout intérêt à les activer maintenant que je dirais, ça existe depuis un peu plus d'un an, hein, sur Elementor, on a la possibilité de tester. Donc, c'est pas activé par défaut sur les anciens sites, mais par contre, depuis un mois ou deux, c'est activé par défaut sur les, quand vous installez, vous faites une nouvelle installation d'Elementor, donc sur les nouveaux sites. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça concerne bien sûr les sites qui ont déjà été créés avec Elementor avant qu'il y ait Flexbox. Donc, pourquoi passer à Flexbox? Donc là, bon, je m'embête pas, hein, je vais sur le site d'Elementor, le centre d'aide, où vous avez les explications. On va passer vite fait sur les titres, ça vous donnera les principaux arguments de passer à Flexbox. C'est une nouvelle façon de construire vos contenus Elementor, puisqu'avant on avait des sections, des colonnes et des sections internes dans lesquelles on mettait donc des widgets. Alors les widgets existent toujours, sauf qu'à la place des sections et des sections internes, nous avons des conteneurs. Et ces conteneurs, en fait, vont vous apporter une plus grande flexibilité par rapport aux sections et colonnes. Et surtout, c'est bien plus léger en termes de code. Et donc, ça va jouer sur la vitesse de chargement des pages de votre site internet. Hein, donc là, vous voyez meilleure performance des pages web parce qu'il y a tout simplement moins de code. Plus grande liberté de conception, en effet, vous allez pouvoir faire plus de choses avec les conteneurs Flexbox, et surtout vous allez pouvoir aller plus loin dans le responsive, c'est-à-dire que vos sites internet vous pourrez plus facilement les paramétrer afin qu'ils soient visionnables sur n'importe quel type d'écran, que ce soit un smartphone, une tablette. Un petit écran, un grand écran, y compris sur les écrans larges d'ordinateur. Enfin voilà. Et en plus, ils annoncent donc une plus grande réutilisabilité des éléments de la page web. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent exactement à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux vous dire par rapport à l'expérience que j'ai maintenant depuis quelques mois avec les conteneurs Flexbox, c'est que vous avez des fonctionnalités que vous n'aviez pas avant. Notamment, je pense, au niveau épinglage. Avant, on pouvait épingler des modèles ou des widgets, mais on pouvait pas épingler une colonne, section, je ne crois pas non plus. Je parle par défaut avec Elementor, sans extension complémentaire, sans add-on, ni quoi que ce soit. Donc maintenant c'est possible. On peut épingler tout le contenu d'un conteneur qui peut se retrouver donc visuellement sous forme de colonne. Par exemple, je pense aux colonnes latérales. On peut très bien faire une colonne latérale avec un conteneur. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça vous offre plus de possibilités. Vous avez une gestion du responsive à la fois plus facile et plus importante. Un gain de code, donc pour le chargement, le temps de chargement des pages web. Donc ça, c'est important, hein. Il faut travailler là-dessus, d'autant plus qu'un constructeur de page a tendance justement à peser un peu plus lourd que les manières traditionnelles de construire les contenus. Donc c'est toujours bon quand il y a des améliorations à ce niveau-là. Donc il faut le prendre. Donc sincèrement, là, ça fait, comme je vous dis, ça fait plus d'un an que c'est en place. Il faut plus se poser de questions maintenant. Il faut passer au conteneur. Alors, je vous cache pas qu'au début, si vous avez l'habitude des sections et des colonnes, vous serez un petit peu perdu, parce que le fonctionnement est quand même sensiblement différent. Par contre, une fois que vous aurez compris un peu tous les tenants et les aboutissants, tous les réglages, parce qu'en plus vous avez énormément plus de réglages avec les conteneurs que vous n'aviez avec les sections et les colonnes,
Donc une fois que vous aurez apprivoisé un peu tout ça, vous verrez que vous direz mais c'est génial, pourquoi j'ai pas fait avant quoi. Donc franchement, ne vous posez plus de questions. Là on est en décembre 2023, il faut plus continuer avec les sections et les colonnes. Il faut vraiment passer au conteneur Flexbox d'Elementor. Alors avant de passer à la pratique, de vous montrer comment activer des conteneurs Flexbox et puis surtout comment transformer les anciens contenus sous forme de sections de colonnes en conteneurs. Comme d'habitude, je vais faire un petit peu ma promo. Ne m'en veuillez pas, hein, mais comme vous savez, tous ces tutoriels, je les réalise entre guillemets bénévolement. Je dis entre guillemets parce que moi je touche bien un petit peu des revenus publicitaires de Google, enfin de YouTube. Mais bon, sincèrement, ça n'a pas de quoi payer le temps passé. Et surtout, vous, ce sont des tutoriels qui vous sont accessibles gratuitement. Voilà. Donc, si vous pouvez m'aider un petit peu en contrepartie, si vous appréciez mes tutoriels, bien sûr, si vous les appréciez pas, bah, c'est tout. Hein, bah. Je vais pas vous en vouloir si vous ne faites rien. Mais si vous les appréciez et que vous avez envie que je continue à faire des tutoriels vidéo, il est clair que plus vous allez m'aider, plus ça va me motiver et je vais prendre sur mon temps. Pour vous proposer de nouveaux tutoriels vidéo. Donc pour ça, vous avez plusieurs façons de m'aider. La première, c'est de cliquer sur le pouce ici. Ça m'aide à mieux positionner mes vidéos dans les résultats de recherche de YouTube. Donc ça, c'est ça vous prend pas beaucoup de temps et surtout, ça vous coûte absolument rien. La deuxième façon de m'aider, c'est de cliquer ici sur Merci et de faire un don. Montant qui vous convient, hein, il n'y a pas de, enfin, moi, il n'y a pas de, j'impose aucun montant. Alors après, YouTube doit poser un minimum d'un ou deux euros, je crois. Enfin, je ne sais même pas. Hein, je vous avoue que je n'ai pas trop regardé. C'était assez récent et donc je connais pas trop le fonctionnement. Mais voilà, vous avez la possibilité de faire un don si vous le souhaitez ici. Et la dernière chose, c'est si vous avez des achats réalisés concernant WordPress, l'hébergement, tout ce qui tourne autour de votre site internet, ben, n'hésitez pas à cliquer sur Afficher plus ici. Donc vous avez non seulement vous aurez accès à toutes les informations de la vidéo, qui concernent la vidéo ici. Des fois je donne des bonus aussi, des informations supplémentaires. Et surtout vous avez, vous voyez, je vous propose différents thèmes, différentes extensions qui pourraient vous être utiles. Et alors pas toutes, mais une grande partie sont sous forme de liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez par ce lien, ça vous coûte exactement le même prix que si vous étiez passé en direct chez le vendeur. La seule différence, c'est que là, le vendeur me reverse une petite partie du prix d'achat. Donc c'est ce qui m'aide aussi à pouvoir vous consacrer du temps à faire de nouveaux tutoriels vidéo. Eh bien écoutez, entrons dans le vif du sujet. Donc on va se rendre dans l'administration de WordPress. Donc on cherche l'onglet Elementor et on va cliquer sur Réglages. Donc là, c'est la première opération, c'est d'activer tout ce qui va nous servir pour utiliser les conteneurs Flexbox. Donc une fois qu'on est sur la page des réglages d'Elementor, on clique sur l'onglet fonctionnalités. Et donc là, on va avoir plusieurs éléments à activer. Alors, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que Elementor les a pas forcément mis dans l'ordre. Alors vous inquiétez pas, ça va se faire en deux parties, puisqu'il y a des éléments où ils vous disent qu'il faut d'abord activer celui qui est en dessous, enfin qui est un peu plus bas. Donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans l'ordre, mais bon, peu importe. Donc la première chose à activer, c'est le conteneur grille. Donc pour l'activer, vous cliquez sur Actif. Voilà, vous voyez, avant d'utiliser conteneur gris, vous devez activer les conteneurs Flexbox. Alors c'est pas grave. Moi, pourquoi je continue à faire comme ça? Je sais très bien qu'il va me demander ça, tout simplement parce qu'en cliquant ici, il va l'activer d'office, automatiquement. Donc c'est pas vraiment ce que j'appellerais une perte de temps. Donc du coup là, ça va avoir
activer non seulement le conteneur grille, mais ça va avoir activé le conteneur Flexbox qu'on trouve ici. Avant d'aller plus loin, on va rester sur cette page des réglages. Parce que si vous ne l'avez pas encore déjà fait, alors ça n'a rien à voir avec le Flexbox, mais si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à visionner la précédente vidéo que j'ai faite sur la barre supérieure de l'éditeur et donc à activer cette fonctionnalité. Hein. Donc, vous cliquez sur Actif ici. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est très utile dans la conception de vos contenus avec Elementor. Et dernier élément que je vous conseille d'activer en même temps, c'est donc les éléments imbriqués. Donc là, c'est pareil, il vous marque qu'il faut d'abord avoir activé les conteneurs Flexbox. Nous, ça tombe bien, ça a déjà été fait. Je vais passer sur les autres réglages, hein, puisque ça n'a plus rien à voir avec les conteneurs Flexbox. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer ici, enfin de cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications, sinon la dernière activation ne sera pas prise en compte. Et donc là, eh bien, on va aller modifier un contenu. Je vais prendre une page, là donc une page contact de mon site de test, et on va aller donc transformer cette page qui est actuellement sous forme de section. Section colonne et éventuellement section interne. Donc, vous avez vu, hein, je pense que ça, vous connaissez, hein, vous positionnez sur la page, vous cliquez sur modifier Elementor, ça vous permet d'ouvrir l'éditeur sur la page en question. Donc, on va laisser à Elementor le temps de se charger. Voilà. Et donc, ce que je vous disais juste avant, la fameuse barre supérieure de l'éditeur, en fait, c'est cet élément-là, où on retrouve un certain nombre de réglages qu'on avait auparavant en partie là en bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là j'ai ma barre d'outils de mon logiciel d'enregistrement qui s'est dédoublée, bon, qui masque. Je suis désolé. Je ne sais pas si vous, ça se voit ou pas, mais avant, on avait un certain nombre de fonctionnalités ici dans l'éditeur, tout en bas donc de la colonne. Elementor et qui sont remontés ici. Donc je ne vais pas faire le détail, hein, ça a été vu dans la précédente vidéo. Donc si ça vous intéresse, ben, simplement allez voir cette vidéo. Je mettrai le lien ici dans la description de l'actuelle vidéo que vous êtes en train de visionner. Donc je retourne dans mon éditeur. Et donc, pour que ce soit plus clair pour vous, je vais vous montrer, donc en activant la structure, on retrouve donc la structure de notre page. Donc tout ça, ce sont des sections. Alors pourquoi ça s'appelle héros et contact info au lieu de section? Tout simplement parce que je les ai renommées. Mais ce sont bien des sections avec des colonnes dedans. Voilà, si on fait pareil avec contact info, voilà, on a trois colonnes et la dernière section. Voilà, là on n'a qu'une seule colonne. Voilà, avec notre carte. Et donc, dans les colonnes, on a des widgets. Voilà. Et donc, pour transformer tous ces contenus en conteneur Flexbox, eh bien, vous allez voir, pardon, ça va pas vous prendre beaucoup de temps, puisqu'il vous suffit de cliquer ici sur Réglages de la page, et vous voyez ici, vous avez un beau bouton Convertir. Alors ça, c'est si vous voulez convertir toute la page, hein. Après, vous avez la possibilité de convertir qu'un seul élément. Alors, je ne vais pas cliquer tout de suite sur convertir. Enfin, si, je vais le faire maintenant. Et on ouvrira une autre page pour vous montrer que vous pouvez faire élément par élément. Donc là, la méthode que je vous montre là, c'est vraiment pour convertir tous les contenus de la page en contenant Flexbox. Donc, vous cliquez ici sur Réglages de la page. Et ensuite, vous cliquez sur Convertir. Et vous laissez faire. Ça prend quelques secondes. En général, ça ne prend pas très, très, très longtemps. Et vous allez voir que tous vos contenus ont été doublés. En fait, vous voyez que sous chaque section, vous avez un conteneur équivalent qui a été créé. Donc là, on a la section héros et on va retrouver un conteneur héros avec dedans deux sous-conteneurs à la place des deux colonnes. Donc la première colonne a été vide puisqu'elle est juste elle était faite pour que la colonne ne s'affiche qu'ici. Et donc la deuxième colonne, on avait un titre, formulaire et éditeur de texte. Donc ici, on va retrouver pareil avec les deux conteneurs. Hop,
S'il veut bien s'ouvrir, donc le premier est vide. Et le second, hop, on retrouve bien nos trois widgets dedans. Et ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les sections. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de vérifier qu'on a bien récupéré tous les contenus. Donc, hein, on voit sur notre première section, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez vérifié que tout est OK, vous faites un clic droit sur la première section et vous cliquez sur effacer. Donc là, vous supprimez la section, c'est devenu un conteneur. Et vous faites pareil pour tout. Donc là, pour notre contact, ben, on voit bien que c'est doublé, on a retrouvé tous nos éléments. Donc là, je n'ouvre pas le détail. Hein. Donc du coup, je supprime la section. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est cliquer sur publier entre-temps. Comme ça, si vous faites une mauvaise manipulation entre deux réglages, ça vous évite d'avoir à tout reprendre dès le départ. Hein. Et la dernière chose, donc la section ici avec la Google Maps. Donc, est-ce qu'on retrouve bien notre Google Maps? Oui, il faut le temps qu'elle s'affiche, tout simplement. Voilà. Donc, je peux supprimer ma section. J'enregistre et on retrouve notre page. On va aller voir côté visiteur ce que ça donne et vous allez voir qu'il y a une petite différence, notamment au niveau de la page. Donc là, c'est encore sous forme de section et de colonne latérale. Et donc, je vais actualiser ma page pour vous montrer le résultat sous forme de conteneur. Donc là, ben, vous remarquez que pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Et le seul truc qui a changé, c'est ben, quand vous avez une section pleine largeur, enfin, avec un widget qui prend toute la largeur, ben, vous verrez que ici vous avez en général des marges ou des marges internes. Alors ça, c'est normal. C'est tout simplement parce que dans les réglages, alors ça doit être les réglages du site, il me semble. Il doit y avoir un endroit dans la mise en page, je crois. Hop, mise en page. Voilà, ça doit être ces fameux écarts par défaut. Ici, ou oui, ça doit être ces fameux écarts par défaut. Alors, il faut pas forcément les supprimer ici, parce que ça peut avoir une utilité sur votre site, hein, d'avoir... Alors après, on va pas discuter du fait que ce soit en pixels. C'est vrai qu'on travaille plutôt en pourcentage ou en unité relative, en fait. Donc là, je vais laisser le réglage par défaut. Hein. Vous inquiétez pas si c'est en pixels. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel, le débat des formats. Tout simplement, je vais vous montrer maintenant, donc je reviens en arrière, je ferme les réglages du site. Je vais vous montrer, sans toucher donc au réglage du site, puisque d'avoir une marge ou une marge interne dans nos conteneurs, c'est plutôt une bonne chose. Donc comment faire pour pallier à ce problème-là? Bah, tout simplement, vous allez dans les réglages du conteneur, ici, et vous allez donc dans Avancer, et vous mettez un 0 partout et vous faites pareil. Comme là, c'est un conteneur. En fait, vous allez voir que c'est un conteneur. Quand il fait la transformation, il fait un conteneur dans un conteneur. Donc, deux choses. Une, soit vous conservez les deux conteneurs et vous faites la même chose au niveau du sous-conteneur. Voilà. Avancer. Avancer, pardon. Hop, on met 0 partout. Hop. Et là, vous voyez qu'on a perdu notre marge. Ou alors, mieux encore, c'est que vous dupliquez donc votre conteneur, ici. Dupliquez, pardon, il est là. Voilà. Et bah, on n'a pas besoin du sous-conteneur, là, il n'a aucun intérêt. En tout cas, j'en vois pas pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le premier conteneur, hop, je supprime le sous-conteneur. Et je vais aller chercher donc le widget qui est sur mon duplicata, que je vais mettre dans le... non, c'est pas le conteneur que je veux, pardon. Excusez-moi, je suis un peu vite. Donc, il faut que j'ouvre le conteneur et que je prenne le Google Maps que je fais glisser donc, dans le conteneur là. Et donc, je supprime l'autre conteneur.
Et comme ça, on a directement notre widget dans le conteneur. Donc, ça fait gagner, on gagne un peu de code. Hein. Moins vous avez d'éléments, de sous-éléments, moins vous aurez de code. Alors, après, ça peut avoir un intérêt. Hein. Ici, alors, j'ai pas étudié, ça fait 2 ans et demi que j'ai fait le site, bientôt 3 ans. J'ai pas étudié l'opportunité de changer, enfin d'optimiser, mais là, comme on n'a qu'un seul widget dans le conteneur, ça sert à rien d'avoir un sous-conteneur. On publie ici et on va voir le résultat et vous allez voir que on a pu cette fameuse marge et notre carte s'affiche bien. Ah, il n'a pas pris en compte. Peut-être que j'ai actualisé un peu trop vite. Voilà, j'ai dû actualiser un peu trop vite. Alors, vous inquiétez pas, hein, la carte elle est pas bien belle là, c'est parce que ben, il faut accepter les cookies. Hein, c'est comme c'est une carte Google, voilà. Donc le fait de cliquer dessus, ça fait, c'est la fameuse loi RGPD, voilà. Donc ben, je vous ai montré comment convertir donc une page complète. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir sur une page. Si, allez, on va prendre par exemple la page information globale. Donc là, je vais fermer l'éditeur sur l'autre page et donc je vais ouvrir l'éditeur sur cette page-ci. Ou non, je vais faire mieux. Je vais vous montrer comment transformer donc l'en-tête ou le pied de page. Donc cette transformation, ce passage donc de section colonne à conteneur, vous pouvez le faire pour tous les contenus créés avec Elementor. Hein. D'ailleurs, je vous invite à le faire sur tous les contenus. Hein. Donc il faut repasser tous les éléments du site. Voilà. Donc ben là, c'est la même chose. Hein. Vous passez à convertir, hop, vous convertissez et vous allez voir que tout est doublé. Donc là, on voit bien qu'on a tout récupéré. Alors le menu, ne me demandez pas pourquoi, il s'affiche pas en double, mais il est bien là. Donc vous voyez, la seule chose, c'est que ici, alors ça tombe bien que je vous ai montré sur cet élément-là, je vais vous expliquer pourquoi ça s'affiche pas de la même façon qu'ici. Tout simplement parce que j'utilise, enfin jusqu'ici, avant les conteneurs Flexbox, j'utilisais un widget qui s'appelle Ooboy, qui permettait donc d'afficher des éléments les uns à côté des autres, voilà, sans être obligé de créer des colonnes. Donc c'était un budget qui permettait de pallier un peu l'ajout de code en trop de l'ancienne façon de fonctionner d'Elementor. Or, ce widget, quand vous activez, enfin, cette extension, pardon, quand vous activez les comptes en Flexbox, elle ne fonctionne plus, ce qui est logique puisque ce qu'elle faisait, elle, est remplacé par Elementor. Donc, tout simplement, il va falloir désactiver la fonctionnalité au niveau du conteneur parce que sinon, ben, forcément, ça vient perturber la façon de travailler du conteneur. Donc tout simplement, si vous utilisez donc le widget stalker de l'extension Ooboy, il faut désactiver sur chaque élément, voilà, sur chaque élément sur lequel vous l'aviez activé, bien sûr. Donc là, vous allez voir qu'ils sont toujours l'un au-dessus de l'autre, mais ça c'est normal puisqu'après il faut indiquer au conteneur dans quel sens doivent être affichés les widgets. Donc, alors sachant que par défaut, en général, ils vous les affichent l'un au-dessus de l'autre. Et donc, si vous cliquez ici en ligne horizontale, vous allez voir que ben, automatiquement vos contenus sont affichés dans le bon sens. Alors là, le fait qu'il y ait un décalage, ben, c'est encore, c'est parce que ben, c'est une histoire de réglage par rapport au widget stalker. Donc pour l'instant, je vais pas y toucher. Ça, en plus, c'est un site de test, donc on retrouve pas exactement la même chose. C'est pas bien grave. Donc là, je vais supprimer ma section puisqu'on a retrouvé l'équivalent ici. Pardon, je me trompe pas. Alors je vais le faire peut-être plutôt ici. Donc c'est cette section-là, je l'efface. Et on n'avait pas pris la première. Alors la première, qu'est-ce qu'il me fait? Il me propose donc éditeur de texte.
texte. Ah oui, c'est le fameux. Oui, ça, c'est le fil d'Ariane. Donc là, il est interprété dans la section, mais pas dans le conteneur. Donc c'est, mais on sait que c'est la même chose, hein, en fait. Hein. Donc là, je peux supprimer ma section. Voilà. Et on va faire pareil avec le menu. Donc là, je publie. On a tout transformé en conteneur. Et l'affichage est similaire, même si là il y aura peut-être un petit décalage, mais esthétiquement ça sera peut-être pas plus mal. C'est pour ça que pour l'instant je n'y touche pas. Je veux d'abord voir ce que ça donne côté visiteur. Et à la limite, je serais même tenté de le mettre un peu plus sur la droite. Donc du coup là on va retravailler sur notre conteneur. Donc ça va être celui-ci. Voilà, donc conteneur, ben encore une fois, vous voyez, là on retrouve un sous-conteneur qui, à mon sens, n'a pas trop d'intérêt. Donc du coup, je vais doubler le conteneur, je le duplique. Encore une fois, j'efface ici et je viens remettre mes éléments. Voilà. Alors vous allez voir, ils vont, à mon avis, se mettre l'un au-dessus de l'autre. Non, ils vont se mettre l'un à côté. Non, c'est bon, ils se mettent l'un à côté de l'autre. Voilà, je supprime le conteneur en trop. Et ici, on va pouvoir aller faire nos réglages au niveau du conteneur. Donc, on va laisser la largeur comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on a bien notre sens horizontal. Et par contre, ici, on va pouvoir indiquer comment afficher notre contenu. Donc, vous voyez, par exemple, si on veut le centrer, si on veut que ça soit justifié, enfin que ça soit au début, à la fin, voilà, donc à la base il était plutôt au début, on peut mettre de l'espace entre, donc là il y en a peut-être un peu beaucoup, l'espace autour, et de l'espace uniforme. Donc je dirais que là, a priori, l'espace autour, c'est ce qui me semble le mieux. Hop, on publie, on va voir ce que ça donne côté visiteur. Hop, j'actualise. Voilà. Donc le seul truc, c'est qu'on a peut-être un petit peu plus de marge ici. Et donc là, c'est un peu le même procédé qu'on avait tout à l'heure. Donc si on veut enlever de la marge, on retourne dans les réglages de notre conteneur. Et donc on va mettre notre 0 partout, ce qui pourrait nous faire gagner un peu de marge. Et on va faire pareil avec celui du dessus. Puisque là, là c'est le fil d'Ariane, le fameux fil d'Ariane que j'affiche mais qui n'a pas besoin d'être affiché forcément aussi gros. Donc on va dans nos réglages, hop, on met un 0. Bon là je sais pas si ça va changer grand chose, c'est un petit peu quand même. Hop, ah, faut peut-être que j'enregistre. Ok, encore sur publier. Et ben, on va peut-être faire pareil avec le menu, tiens, tant qu'on y est. Donc là, puisqu'on a un conteneur pour chaque élément. Alors, pardon, avancer, 0, et on va mettre 0 aussi ici. Voilà, publier. Et donc, on va actualiser. Voilà. Vous voyez, notre barre supérieure est moins importante. Et là, on a un affichage qui est peut-être un peu plus sympathique que ce qu'on avait à l'origine. Donc, dernière chose, je vais aller donc sur ma page. Alors, je vous passe le pied de page. Hein, le pied de page, le fonctionnement exactement le même. Quoique si on peut travailler sur le pied de page, je vais vous montrer comment faire élément par élément. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut soit transformer toute la page d'un coup, ou alors faire élément par élément. Donc là, je vais vous montrer ça, mais sur le pied de page. Alors, pour faire une page complète, je vais vous économiser un petit peu de temps. Donc là, on a ouvert le pied de page, enfin l'éditeur du pied de page, pardon. Donc là, ça tombe bien, on a un pied de page qui est assez simple. Pour aller vite, je pourrais cliquer ici sur réglages et convertir, mais on va pas le faire, puisque je vous ai promis de vous montrer comment on fait élément par élément. Donc, par contre, je sais pas si on peut... Alors, au niveau des budgets, non, on pourra pas. Par contre, au niveau des colonnes, je vous avoue que j'ai jamais essayé faire colonne par colonne. Alors, on va voir. Non, on peut pas, ce qui est logique. Donc, c'est plutôt au niveau des sections.
Donc si je fais, vous voyez, je clique sur la section, on a le même bouton convertir qu'on avait sur l'ensemble de la page. Alors là, vous allez me dire, c'est pas très parlant puisque dans mon pied de page, je n'ai qu'une seule section. Mais ça vous montre que tout simplement, on peut le faire section par section. Donc pour ceux qui se sentent pas, sur les pages notamment ou avec beaucoup de contenu, qui se sentent pas de faire la transformation d'un coup et qui ont peur de se perdre entre les sections et les conteneurs, ça peut être une bonne chose de le faire section par section. Donc là, on retrouve, vous voyez, on a bien notre section qui est doublée par un conteneur avec le même contenu, sauf qu'on a toujours ce problème de largeur, hein, tout simplement. Donc là, on peut effacer la section et on va faire les réglages au niveau de notre conteneur. Alors, notre conteneur, là, pour le coup, je vais laisser les trois sous-conteneurs parce que ça permet de faire des colonnes. Quoique, non, ça pourrait être trois. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça pourrait être un autre pack tout top. Oui, ça pourrait être trois widgets l'un derrière l'autre. Donc du coup, on va dupliquer comme je fais toujours. Hop, on duplique et on supprime tous les conteneurs en fait. Alors par contre, ça risque de problème un problème au niveau de l'affichage. Donc on laisse, on peut supprimer ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer une nouvelle fois, comme ça, si jamais au niveau affichage on a des soucis, on aura toujours notre conteneur d'origine. Donc là, je vais tout simplement, alors dans mon conteneur, je vais quand même lui dire que voilà, c'est de l'horizontale, et donc je vais positionner mes trois widgets. Je sais pas s'il a pris en compte là. Si. Alors par contre, il n'a pas dû intégrer que je vais lui demander de faire un horizontal. Donc on va laisser le widget voilà ici. Et donc, ah oui, non, il ne l'a pas pris en compte. Voilà, 3. Donc oui, vous voyez, c'est pour l'affichage. Donc du coup, là, on va faire. Est-ce qu'on si on met espace autour? Voilà. Et après, il faut régler ici. Vous voyez, c'est pas forcément la même hauteur. Donc, on va mettre ici centré en le haut. Et avec un peu de chance. Donc là, je vais supprimer ce conteneur-là qui n'a plus lieu d'être. Sur celui-ci, je vais enlever, je vais mettre à zéro tout ce qui est marge et marge interne. Voilà. Je vais le publier. On va voir le résultat. Donc, je vais actualiser la page. Hop. Alors ça, je vais le mettre par là. Alors, donc le seul truc, c'est que oui, au niveau du, ça va m'embêter au niveau du bouton là, donc au niveau du réglage, pardon, je reviens ici, ça va plutôt être le réglage. Alors, attendez, pour être sûr que ça soit le bon, on va plutôt mettre espace centre, comme ça va être dans les coins. Je pense que ça sera mieux pour mon bouton de retour. Voilà, j'actualise. Parce que le bouton de retour vers le haut, il faut vraiment qu'il soit sur la droite. Voilà, donc là il est même un peu trop décalé, mais c'est pas grave, on va ajouter de la marge interne. Hein. Pareil ici, mon conçu par Bruno Dritch, il a été mis sur la gauche, mais ça c'est qu'une question de marge, hein, c'est pas un problème. On vient ici et on vient mettre de la marge interne, mais au niveau du widget cette fois-ci. Enfin, quoi qu'on peut en mettre un petit peu au niveau du conteneur quand même. Du conteneur, on va en mettre un petit peu quand même, mais hop, on va délier les valeurs et on va en mettre juste à gauche et à droite. Et donc, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on évite au maximum les pixels, on préfère les valeurs relatives, donc là on va faire en pourcentage.
Donc on va mettre, je sais pas, on va mettre 10% à gauche par exemple, et on va mettre 2% à droite pour que ça soit, pour que mon bouton de retour vers le haut soit à peine décalé du bord. Hein. Hop, on va actualiser. Par contre là j'ai mis plus parce que oui, il vaut mieux que ça soit pas trop à gauche non plus. Pourquoi pas. Bon, vous voyez, si on veut vraiment que ça soit comme c'était avant, hop, je déplace. Il suffit de rajouter un peu de marge. Hein. On rajoute, au lieu de mettre 10%, on met 12-13% à peu près. On devrait être à peu près à ce niveau-là. Là, pareil, si on veut que ça soit plus collé, on met 15%. Donc je vais le faire ici, 1% à droite. Et on va passer à 12 ici. Donc vous voyez là, mine de rien, on a quand même, au lieu d'avoir, à la base on avait trois colonnes, sections, mais du coup on n'a plus qu'un seul conteneur avec nos widgets dedans. Donc bah, ça fait quand même pas mal de code en moins et ça permet de gagner du temps de vitesse sur vos pages. Et là vous voyez au niveau conception, on a une plus grande flexibilité. Bon, voilà, je pense qu'on est bon là, hein, donc on peut supprimer notre... comment je veux dire, notre conteneur ici. Alors la seule différence, c'est que oui, le fait de conserver les conteneurs, les sous-conteneurs, pardon, ça permettait de centrer, de bien centrer ici. Après, est-ce que c'est bien important? Est-ce que là, c'est pareil, on peut jouer avec les marges, hein, donc. Je suis plutôt partisan d'avoir moins de conteneurs, donc je supprime là et au besoin je ferai le réglage. Donc je veux pas vous faire perdre de temps avec ça, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais arrêter là pour ce tutoriel vidéo qui est déjà bien assez long et je ferai d'autres tutoriels pour aller plus loin dans le fonctionnement des conteneurs, comment construire vos nouveaux contenus avec. Et je pense que je ferai d'autres vidéos où je convertis du contenu, mais sur des constructions un peu plus importantes, plus évoluées, pour vous montrer comment on peut optimiser tout cela. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Et n'oubliez pas, si ce tutoriel vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et de partager aussi la vidéo. Ça peut m'aider donc sur les réseaux sociaux ou si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ce tutoriel-là, vous lui donnez le lien. Ça me sera toujours utile. Allez, je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!